Bonjour à tous. Voici le huitième mode appelé locrien. Il n'est pas plus compliqué que les autres. C'est un mode diminué, on le trouve sur le septième degré de la gamme de Ré bémol majeur et sa note caractéristique est bémol 5. Voici la gamme de Ré bémol majeur qui engendre le mode de Do locrien. À partir du septième degré qui devient accord de tonique en modal. Il y a cette fois-ci 4 bémols à la clé et la note caractéristique sol bémol doit être annoté dans les partitions. Ces quatre règles de base sont valables pour tous les modes. Les autres règles seront précisées dans le 9e cours. L'accord de Do diminué qui confirme le mode et qui contient aussi la note caractéristique. L'accord de cadence sur le troisième degré mineur. Le deuxième accord de cadence sur le cinquième degré majeur. L'accord du quatrième degré mineur, accord secondaire mais très employé. Deux autres accords secondaires. Le sixième degré majeur et le septième degré mineur, et l'accord à éviter le second degré majeur. Pour tous les modes excepté le mode ionien, le premier degré majeur qui engendre le mode est à éviter. Quelques cadences principales locriennes. On verra que l'enchaînement quatrième mineur, septième mineur, premier degré diminué est très employé. Une phrase en forme de question. Et une phrase en forme de réponse.